Eh bien, bienvenue à vous dans un monde où Chandler Bing est décédé. Du coup, Matthew Perry. Alors là, j'ai commencé la journée bien, bien tristement. Comme vous savez, je suis fan de Friends. Et mon personnage préféré étant Chandler Bing. Voilà. C'est horrible. Vraiment, je suis... Je comprends pas que ça puisse déjà arriver. Voilà. De perdre un acteur de Friends, c'est terrible. Voilà. Alors, évidemment, paix à son âme, on l'oubliera jamais, vraiment. J'aimerais qu'on avance, malheureusement. Même si le cœur ne m'en dit pas. Aujourd'hui, on va regarder Friends. Enfin, ce soir. J'ai eu des questions par rapport à mon café Emma Chamberlain. On m'a demandé s'il était vraiment bon. Oui, il est très très bon. Du coup, c'est une fille qui avait demandé ce qu'elle hésitait trop à l'acheter et tout, à le commander. Écoute, moi je te le dis, ça vaut le coup. Teste-le. Et je te conseille de tester ça. C'est le cold brew. C'est incroyable ce truc. Vraiment, teste-le. Prends ça avec. Vraiment, c'est trop trop bon. Tu me diras ce que t'en penses. Et en fait, c'est des petits sachets à mettre dans l'eau le soir pour avoir ton cold brew le lendemain. C'est incroyable. Vraiment, n'hésite pas. Tu vas vraiment passer un très bon moment. Voilà. Et il est très bon, vraiment. Genre, elle nous a pas pondu de la merde, Emma Chamberlain. Tu vois? Voilà. Donc, je commence cette journée tristement. Tristement? Et avec... j'ai regardé vos commentaires, vous vous en doutez. Concernant ma vidéo d'hier, je m'attendais à ce genre de commentaires. Mais c'est... je m'attendais à ce genre de commentaires, franchement, voilà. Notamment sur la notion que les choses que je vois me demandent de l'aide. Je savais à quoi m'attendre en postant cette vidéo hier. Je savais un petit peu quel genre de réaction ça allait susciter. Parce que oui, j'ai très peur. Voilà. J'aimerais le dire, j'ai peur de pas contrôler certaines choses, de pas avoir la force de contrôler certaines choses quand ça m'arrive, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'entrer dans un truc où je pourrais pas me sortir. Parce que ça peut arriver de rester bloqué, vous savez, dans des trucs comme ça. Et en fait, j'ai pas trop envie que ça m'arrive. Et j'ai très peur de ça. Et oui, je sais, vous m'avez dit aussi, si ça s'est un petit peu plus produit ici, en emménageant ici, c'est que peut-être que le lieu a de l'histoire, etc. Ouais, carrément. Parce que cet appartement-là, c'est le plus fort que j'ai jamais eu en termes de paralysie du sommeil, quoi. Et du coup, ouais, ici, c'est vraiment très très compliqué. J'ai jamais vécu ça. Et à Rome aussi. Quand je suis partie à Rome, c'était terrifiant. Et vraiment, c'est vraiment tout le temps. Bon, moi, je vais encadrer tous les gens qui font des travaux dans cette putain d'immeuble un dimanche, en fait. Un jour, je vais finir par me faire virer, à me plaindre comme ça, mais je n'ai rien à faire. Moi, je fais rien de mal dans cet immeuble. Est-ce que je mange? Non, j'ai pas faim. Je vais déjeuner tout à l'heure. Je mangerai plus tard, ça me fait chier. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Et c'est pas un plaisir. Ouais, j'aimerais dire quand même, c'est pas un plaisir. Parce que beaucoup étaient là en parlant en positif et tout, mais moi c'est pas positif. Enfin, ça va, je sais faire maintenant, mais... Enfin, je sais vivre avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas quelque chose de positif parce que ça me dérange le soir. Voilà, ça me dérange, ça me fait peur. Et donc forcément, je sais que vous êtes là, oui, tu pourrais le voir positivement et tout. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais moi, je voulais pas de ça dans ma vie. Voilà, j'ai jamais voulu ça dans ma vie. Jamais. Je n'ai jamais manifesté des choses comme ça. C'est un domaine qui me fait beaucoup, beaucoup, très peur. Et ça me plaît pas du tout d'avoir ça. Enfin, franchement... Et je sais qu'il faut en parler positivement, sinon c'est pire. Mais franchement, non, ça me fait pas plaisir. Voilà, qui m'entendent, ça me fait pas plaisir, ça me fait peur, et j'ai l'impression de... je sais pas.
d'être très fatiguée quand ça arrive le lendemain. Je suis très fatiguée quand ça arrive, voilà, très fatiguée. Ouais, c'est pas agréable quoi. C'est pas quelque chose que j'ai souhaité avoir, enfin, pas du tout. Mais on est dimanche et franchement, je ne vais pas travailler. Voilà, je ne vais pas travailler. On est dimanche. Je ne prendrai pas mon ordinateur dans les mains. Sauf si c'est pour chiller. On est dimanche, Caroline, tu ne travailleras pas. C'est histoire de paralysie, de... C'est compliqué, hein. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille pas et que ses amis ne sont pas là? J'ai fait du sport hier et franchement, j'ai pas envie d'y aller parce que le dimanche à la salle, il y a trop de gens. Du coup, je préfère y aller la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait le dimanche quand on travaille pas? Je pourrais faire un tour. Je pourrais prendre un café. Oh oui! Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller faire... de prendre le café à la citrouille, là. Oui, vous aurez compris que j'adore faire plein de choses, c'est terrifiant. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais peut-être nettoyer en dessous de mon lit? Faire le ménage, encore? Oui, je pourrais faire le ménage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je l'ai fait il y a 3 jours, mais... Bah oui, mais j'essaye de pas travailler. Je n'écrirai pas une ligne aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour vous? Un petit coup de ménage et je vais voir ce que je peux cuisiner. Du coup, ce soir, je ferai cette courge-là. Je vous montrerai ma petite recette. J'espère que je vais la réussir. Mais concernant le déjeuner, j'ai pas beaucoup d'idées là. Je vais faire des pâtes et je vais goûter un nouveau pesto rosso que j'ai trouvé à Naturalia. Qu'est-ce que je vais faire comme pâtes? J'ai acheté ces pâtes chez Italie. C'est des linguini sans gluten. Donc c'est à base de farine de maïs. Donc c'est celui-ci. Voilà. C'est basilic et tomate cultivée en France. Bah, c'est un pesto rosso quoi. On va le tester. On va voir ce que ça donne. Et en attendant, je vais aller prendre ma douche pendant que ça cuit. Voilà, je suis prête vite fait. J'ai pas fait mes cheveux, j'ai pas fait grand chose. Mais au moins je suis prête. Prête, oui. Alors, j'ai fait du coup mes petites pâtes. Bon, ça ressemble un peu à du vomi, mais... Je vais goûter cette sauce avec vous et je vous dirai ce que j'en pense. Eh ben, c'est trop bon. Je vous répondrai tout à l'heure aux commentaires par écrit. Mais c'est que là, mes commentaires sont envahis de... Caroline, tu es médium. Ah. Ah. Alors, les livres pour avoir une meilleure éloquence, apprendre à parler, qu'on nous écoute, etc. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous dire ceux que j'ai aimés. Alors, évidemment, le fameux. Et alors, celui-ci, je pense que si vous vous intéressez comme moi à tout ça, vous avez dû en entendre parler. L'art d'avoir toujours raison, évidemment, de Schopenhauer. Ouais, la parole est un sport de combat, c'est vraiment le meilleur que j'ai pu lire, je pense, avec l'art d'avoir toujours raison. Vous allez avoir aussi le livre sur... donc ça s'appelle La prise de parole en public. Ça, pareil, c'est un peu les bases. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, ça fonctionne. Je sais pas si j'en ai partout, actuellement. Ouais, mais le truc, c'est que là, en commentaire, c'est beaucoup sur ce que je vous ai dit hier soir. Donc j'ai du mal à trouver... Alors... Caroline, je serais curieuse d'avoir tes avis et retours sur les films que tu vois. Je vais au ciné au moins 2 fois par semaine. J'adore discuter des films après, sans jugement évidemment. Cela va sans dire. Alors, Valou. Écoute, eh ben, on peut commencer par le film que j'ai vu hier. Hier, on est allé voir Bernadette avec Gabriel. Donc c'est le film sur Bernadette Chirac. Il y avait quelque chose de drôle. C'est très bien joué, Catherine Deneuve. Vraiment, elle est trop bien. Elle est top. Vraiment, je n'ai rien à dire dessus. C'est très bien fait. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Mais il y a une part de tristesse, moi, je trouve. Voilà, même si on en rit et tout, c'est pas marrant, hein, quand même. Et après, j'aime beaucoup tout ce qui va être par rapport aux tortues. Parce que dedans, bah Bernadette, Catherine Deneuve, a des tortues, elle a une tortue et elle adore les tortues. Et en fait, ça me fait rire parce que
Et ben moi j'ai deux tortues à Tours, du coup elles sont chez mes parents dans le jardin. Elles ont clairement tout le jardin, laissez tomber, c'est abusé, elles ont tout le terrain. Voilà. Enfin c'est trop mignon en vrai. Et du coup j'ai deux tortues, il y en a une qui s'appelle Stéphanie. Pour les noms, me demandez pas, c'est compliqué. Donc Stéphanie et l'autre c'est la denrée. La denrée c'est en référence à la soupe aux choux. Et oui. Et ce sont mes parents qui ont récupéré les tortues, bien sûr. Et qui s'en occupent, elles sont actuellement rentrées en hibernation, si ça vous intéresse. Je passe ma journée à lire les commentaires. Salut Caroline, ton récit à propos de tes terreurs nocturnes me rappelle la série Ghost Whispered avec Miranda Gordon, qui aide les morts à faire passer un message aux vivants et réparer une injustice. Sinon, plus jeune, ma mère voyait des gens la fixer dans sa chambre et ma soeur et ma cousine ont vu le clone identique de ma deuxième soeur qui est bien vivante. Elles ont bien fiplé. Oui, ça existe. Tu dis que tu as des problèmes depuis que tu habites dans ce logement et tu pensais à redéménager pour voir si ça changerait quelque chose. Ah, waouh. Ce commentaire est... Et bah, c'est une très belle question que tu nous offres. Je veux pas partir d'ici, c'est une pépite. Le loyer, il est pas cher. Pour la surface que j'ai, je trouverai jamais mieux à Paris. J'ai une chance de cocu, comme on dit. Vraiment. Donc, je veux le garder à tout prix. La salle de bain est grande, les toilettes sont grandes. Ma cuisine est pas mal. Le salon est très grand. La chambre est immense. Je veux dire, et puis j'ai acheté tous mes meubles pour ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas du tout envie de partir. Michael dort avec toi car le froid est de retour. En général, les chats font ça pour avoir bien chaud. Ah bah, je croyais que c'est parce que tu m'aimais, toi. Il est trop mignon. Coucou Caroline, tu es médium, je pense. Oui, c'est très mignon ce que tu nous fais tout le temps. Est-ce que tu as des musées à nous recommander sur tout ce qui va être impressionnisme, etc. Oui. Alors, il y en a beaucoup. Alors, je vais vous donner des trucs à Paris et je vais vous donner aussi des trucs un peu ailleurs. Donc du coup, pour ce qui est à Paris, parce que bah, moi, c'est là où je connais le plus, vous avez le musée Marmottan-Monet dans le 16e arrondissement. Il est incroyable. Vous avez également l'Orangerie. L'Orangerie, vous avez tout ce qui va être les nymphéas de Monet. Également le Centre Pompidou qui nous en propose quelques... Ouais, quand même, il y en a. Ensuite, à Aix-en-Provence, on va avoir l'Hôtel Caumont, qui nous propose pas mal de belles choses dans ce genre-là. Et vous avez aussi Cézanne, là-bas évidemment, parce que bah, c'est la région de Cézanne, avec Aix-en-Provence, la Sainte-Victoire. Et du coup, si c'est à l'étranger, du coup, moi je suis allée à celui de Minneapolis, à Chicago, c'est l'Institute of Art of Chicago, qui est une collection absolument monstrueuse. C'est la plus belle collection que j'ai pu voir de ma vie. Qu'est-ce que c'était que ce musée dans le Vermont qu'on est allé voir? Mais comment il s'appelle? Ah, j'avais mis des photos sur Instagram quand j'étais jeune. Attendez. Quand j'étais jeune. Donc là, je vais dans mon Instagram, je vais dans mes archives. On va très loin. Je sais même pas si ça vous intéresse ce que je suis en train de raconter. Archives de publication. Publication. Alors, le nombre de trucs que j'ai archivé quand je suis devenue un peu famous sur Instagram, c'est très drôle. J'ai archivé tellement de trucs, notamment les photos avec mon ex, visiblement. Oh, elles sont drôles ces photos. Je m'en souvenais pas. On était mignons quand même. Bon bref, c'était une belle époque de ma vie. C'était drôle. Ouais. Alors, où est-ce que c'est que ce truc? C'était il y a très longtemps. J'avais fait des vidéos. Il n'y avait pas encore les réels à l'époque. Mais arrêtez-moi, j'étais folle.
Je suis complètement folle alliée. C'est pas possible. Attendez, il y en a d'autres. Mais j'allais tout le temps en boîte. Tu m'étonnes que j'ai la phobie maintenant. C'est fou quoi, j'allais tout le temps... Mais je vous avais dit qu'avant j'aimais bien. Mais maintenant non, c'est depuis le Covid. J'étais drôle. Vous avez vu ma personne en boîte quoi. Très jeune. Bon bref, j'ai trouvé. The Clark Museum. Eh ben il y a une très belle collection là-bas. Donc c'est dans le Vermont. Voilà. Qu'est-ce que je retrouve dans mes archives? Ah. Mais j'étais qui? Regardez-moi cette personne! Moi, à la cour de cassation. Oh, regardez comme j'ai changé de tête. C'était en 2020. Ça c'est hilarant, on dirait que c'est pas moi. La robe du premier date. Ça, c'était dans mon premier appartement à Paris. Devinez qui vient de croiser ses voisins du dessus et qui n'a rien osé dire comme d'habitude. Il m'a dit « Bonjour, ça va ?» J'ai dit « Ça va, et vous ?» Et, mais ouais, quand je vous dis que je suis une lâche, voilà, je suis partie aller chercher du PQ et emmener ma lessive, enfin mon linge, pardon, j'ai croisé une abonnée. C'est quoi ces bruits? Donc Mathilde, si tu te merci. Et j'ai pas arrêté de lui sourire parce que j'étais trop contente parce que c'est une personne de la communauté YouTube les amis. Et du coup j'arrêtais pas de le sourire et j'avais des trucs entre les dents. La réalité, voilà. Donc Mathilde, si tu vois cette vidéo, sache que je suis gênée que tu aies vu mon pesto rosso coincé entre les dents. Elle me voit et tout, elle fait genre. Et moi j'étais genre. C'était trop bien. Toujours aussi choquée de vous croiser, hein, évidemment, ça change pas. Regardez! Elles sont trop belles! 6 euros. 6 euros. Le bouquet. Du coup, je me suis dit, bah, c'est parti. Voilà. Et voilà le premier bouquet. Trop cute. J'adore ce vase. Il est trop trop beau. Ensuite, j'ai fait un petit truc comme ça. Je trouvais ça cute. Et j'anticipe, le vase, il vient d'Amazon. Vous tapez vase, un livre sur les fleurs. Voilà, vous allez trouver. Et... Oh, le fils. Oui, on dirait que j'ai un enfant. Vraiment, c'est terrible. C'est toi, mon enfant. Et... On va jouer, mon cœur, j'arrive. Et là, j'ai fait ça. C'est trop mignon, en vrai. J'aime bien les trucs très simples, je vous avoue. Donc voilà ici ce que ça donne. Et c'est ça ma petite lampe que j'allume le soir du coup. Je vais vous montrer. Attendez. Voilà ce que ça donne. C'est beau. Et ça m'apaise en vrai. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu veux jouer? Allez, je vais poser la caméra. Regardez comme il met sa petite patte, il veut jouer. Et voilà. Ben moi je trouve ça très cute. Et voilà le travail. Le lustre est installé. Je suis ravie. Du coup c'était bah, TaskRabbit. Le monsieur était adorable. Et c'est hyper bien fait. Je tiens à vous montrer quand même. Hop. Encore un rappel, je suis pas payée pour en parler sur YouTube. Mais franchement c'est une astuce que je kiffe. Regardez comment il a super bien posé. Parce qu'on n'avait pas le droit de toucher à la rosace et il a réussi à faire un petit truc qui fait que c'est bien au centre quand même. Parce qu'en fait on pouvait pas le mettre au centre au début et il a réussi quand même à le faire sans toucher à la... Enfin il est trop fort. Franchement, regardez comme c'est beau. Voilà, et du coup à l'intérieur vous avez deux petits trucs. Voilà. Ah il est super. Et je sens que vous allez me demander d'où il vient, de chez But. But 40 euros. Génial, j'adore. Bon, aujourd'hui je serais franchement pas restée habillée très longtemps. J'aimerais vous montrer mon pyjama de Noël. Enfin,
enfin mon bas de pyjama. Voilà. Alors nous allons réaliser la recette de la courge rôtie et œuf cocotte. Dans un plat, alors au fond, déposez vos moitiés de courge. On les assaisonne d'abord, on les enfourne pour 35 minutes et après on les garnit. Ça va bien ? Ok, bravo Caro, alors là. Mettre de l'huile. Ouais. Le gros sel. Oh, je pourrais mettre ça. Le paprika. Ma mère va être fière. Maman, tu peux regarder les vlogs en ce moment, s'il te plaît, parce que là, tu les regardes pas alors que je fais tout ce que tu dis de faire. À enfourner pendant 35 minutes. Je vais encore dîner à 19h, vous allez voir. Voilà, c'est prêt. Du coup, là, je vais mettre les œufs dedans. Je peux pas vous montrer. Enfin, si, je peux le faire comme ça. Voilà, là, c'est parfaitement cuit. Et je vais mettre les petits œufs. Je suis en train d'écrire un article sur mon blog parce que j'avais complètement oublié. Ça fait un an que j'ai commencé à écrire et à faire des vidéos. Voilà, c'est beaucoup de... J'avais complètement zappé que c'était là. En vrai, on se rappelle jamais trop de notre première vidéo et tout. Et moi, je m'en souviens quand même. Et enfin, ma première vraie vidéo que j'avais écrite, etc. Et je me souviens que c'était là que j'avais commencé... À écrire en fait, et du coup j'ai décidé d'écrire un article pour voir un petit peu, bah, faire un bilan, voir où j'en étais depuis. Je suis un chef étoilé, je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir, c'est, je suis très fière. Quel génie, mais quel génie. Je vais faire griller du pain. Je suis en train d'écrire mon article et là je passe au moment de... Je fais une introspective sur mon année. C'est très égocentrique, hein, je vous l'accorde, mais bon, il s'agit de mon blog, donc bon. Et c'est quand même dingue. Le mois d'avril jusqu'à août, quelle horreur. Je suis tellement, waouh, tellement heureuse d'être mieux. J'arrive pas à croire comment j'étais. J'arrive pas à croire ça. Je vous jure que je n'y arrive pas, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à voir tous les progrès, enfin c'est dingue. Et j'avais oublié ce que... J'avais oublié ce que j'avais vécu avant de commencer ces vidéos-là. Vous m'avez donné une force. Je pourrais jamais autant, enfin, je pourrais jamais vous remercier aussi bien que ce que, enfin, parce que cette période-là, j'étais comme ça tous les jours. Et vous avez vu comment je pleure moins, comment je suis plus positive, et je vous jure, je n'aurais jamais cru y arriver. En avril, je pensais que ma vie allait être finie. Que j'ai été condamnée à être comme ça. Et depuis, j'ai réussi à faire plein de trucs. J'ai même réussi à voir un garçon. Même si... bon, bah, il est plus là. Bah, j'ai réussi à plaire à un garçon et... Un peu. Certainement un peu. Et ouais. J'ai réussi à boire tellement moins d'eau. Et pour ça, enfin... Vous allez me dire, non, c'est grâce à toi, t'as fait les efforts. Oui, mais vous vous rendez pas compte de vos commentaires. Vos commentaires, ils m'ont... Ils ont résonné en moi. Merci, mais non. Merci à vous de regarder ces vidéos tous les jours. D'écouter... Et d'avoir participé à cette thérapie qui n'est pas encore finie, mais d'écouter tout ce que je dis, d'écouter tous mes doutes et de répondre à toutes mes questions.
c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de personnes qui répondent. Avant, on m'écoutait jamais. Et grâce à vous, je me sens tellement entendue. Et même si on n'a pas encore trouvé ce que j'ai au ventre et tout, le moral, il est là. Et c'est la plus belle des choses, franchement. Enfin... C'est des larmes d'amour que j'ai là, c'est pas... C'est peut-être bête pour certaines personnes qui vont dire « Mais non, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, etc. » Mais pour moi, si. Parce que vous êtes là. Et franchement, c'est... Vous vous rendez pas compte, je pense, de ce que c'est que d'avoir des gens qui vous écoutent tous les jours et qui sont gentils avec vous. C'est tellement rare. Et j'espère que vous allez trouver l'apaisement. Et quand je vous dis que j'espère que vous allez bien, c'est que c'est sincère, c'est pas une façon de parler en mode « Coucou les filles, j'espère que vous allez bien ». Non. Merci. Vraiment, merci. Genre, je pourrais jamais vous rendre mieux que ça. Et parfois, ça me rend triste. J'espère qu'un jour... on y arrivera tous, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à ma psy, moi, demain? Je vais finir mon article. Et puis, je vais monter ma vidéo. Et j'adore écrire. Et j'espère que mon article vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez, sincèrement. C'est hyper important. Les articles aussi. Si jamais ça vous dit d'aller le lire, ça prend jamais très longtemps. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Oh non, je suis personne pour vous dire quoi faire. Dites-moi si ça va. Et si vous avez réussi à faire des trucs cool ce week-end, dites-le moi aussi. Moi, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Non. Mais ça m'a fait du bien. Ah ça, ma psy, elle va être contente. Et demain, nouvelle journée. Nouvelle semaine. Elle me fait un peu peur, cette semaine. Bah, c'est tout. Je suis trop heureuse d'être avec vous tous les jours. Ça a changé ma vie. Genre, qu'importe ce que les gens disent, ça a changé ma vie. Et pour me laisser tout le choix que je veux sur cette chaîne, merci aussi. Bref, dites-moi si vous avez fait des trucs cool ce week-end. Et moi, faut que j'aille monter cette vidéo. Pour qu'elle sorte pas trop tard.